Sam. Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent, toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là? Derrière Man aussi. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'allers-retours entre les grèves et ici. La matière qui râle a contaminé ses cellules, ce qui a provoqué une espèce de jet-lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va, elle ne court aucun danger, seulement il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour se remettre. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Merci. On dirait que vous avez besoin de moi, en fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste. Nous avons Sam. Le super livreur. Le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour Fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnés dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ses règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Mais Fragile et Die Hardman ont bien réussi à s'échapper de sa grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors, ou rapatriée, en un sens, de son fait. Poussée dehors? Pourquoi? C'est seulement une hypothèse, mais... C'est vous qu'elle veut. Elle veut que vous la rejoigniez. C'est sa dernière volonté. Vous ne croyez pas? Alors ça y est, on y est. Amélie est là, et on entre en phase finale. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau... Faut que j'aille sur sa grève, la convaincre d'arrêter. J'ai bien tout compris? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché, vous êtes notre seul espoir. Mais très honnêtement, je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison, il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincé à l'extérieur. Pour toujours.
autant rendre ça officiel alors. Vous êtes prête pour la prochaine livraison ? Je vais tenter le coup. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, ça ne fera que retarder l'inévitable. Mais bon, si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de ce genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais faut le faire tourner le plus longtemps possible. On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses? Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. J'en avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné. Ils attendaient une lueur d'espoir. J'ai pas le droit de rater mon coup. Je leur dois bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir? Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Alors, prenez soin de l'eau. C'est promis. Il n'y a qu'une pseudo-mer en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. On y va, concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Je sais que vous l'aimez. Vous l'aimez, Sam! Rentrons à la maison.